Moi? Non, toi. Moi? Oui, toi. Il y a quoi? Tu as jeté des sachets par terre. Mais où est-ce que je dois laisser ça? Dans une poubelle, bien sûr. Mais il n'y a pas aucune poubelle ici. Même s'il n'y a pas de poubelle autour de toi, tu prends le sachet, tu l'arranges correctement. Et ensuite, tu emportes les déchets avec toi. Arrivé à la maison, tu les mets dans une poubelle. Ah, que se passe ici? Mon ami lui expliquait qu'il n'est pas bien de jeter les ordures par terre. Mais pourquoi ça? Parce que ça pollue notre environnement. Ah bon? Oui, oui. De même que brûler les ordures, les jeter n'importe où, verser des déchets toxiques dans l'océan et aussi les fumées des engins constituent une sorte de pollution pour notre environnement. De quoi discutez-vous donc? Nous faisons un débat sur l'environnement. Dites-moi en plus. Justement, nous parlons des causes de la pollution de l'environnement. Maintenant, si notre environnement est pollué, les humains sont les plus affectés. Pourquoi ça? Parce que la couche d'ozone est détruite, ce qui entraîne le réchauffement climatique. Est-ce la raison pour laquelle il y a le réchauffement climatique ces jours-ci? Oui, mais pas seulement ça. Tu vois, la quantité de dioxyde de carbone relâchée dans l'atmosphère est plus élevée que la quantité d'oxygène relâchée dans l'atmosphère. Comment pouvons-nous faire pour réduire la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère? Pour réduire la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, c'est très simple. Tout d'abord, nous devons planter des arbres. Ensuite, nous devons éviter les feux de brousse. Ensuite, les industries et les engins qui produisent les fumées toxiques doivent utiliser un purificateur pour pouvoir purifier ces gaz toxiques. Oui, aussi, les animaux aquatiques meurent à cause des déchets toxiques déversés dans les cours d'eau. Si les animaux aquatiques meurent, ça fait quoi? Il y aura manquement de protéines. Nous ne pouvons plus trouver des protéines de ces animaux. Nous sommes aussi exposés à des maladies telles que la fièvre typhoïde, le choléra et le paludisme. Comment pouvons-nous faire pour remédier à ces dégâts? C'est très simple. D'abord, nous devons faire bon usage de ces ordures. Comment ça? En les jetant dans nos poubelles et en s'abonnant aux entreprises de ramassage d'ordures comme Zoom Lion. C'est tout? Non. Nous devons aussi éviter de brûler les ordures et éviter de verser des déchets toxiques dans nos cours d'eau. Enfin, nous devons protéger notre environnement pour qu'il ne soit pas pollué en construisant des lieux d'essence dans nos maisons ou WC publics et à ne pas laisser les animaux se promener dans la ville pour polluer l'environnement avec leur excréments. Merci mon ami pour tes enseignements. Je vais faire de mon mieux pour protéger notre environnement pour être en bonne santé.